Écrivez des missives en mon nom. Dites que Tyrion Lannister est le nouveau chef, le nouveau roi des sept couronnes, des Andals, des premiers noms et tout ce que vous souhaiterez. Allez écrire des missives en mon nom. Descendez du trône de fer, laissez-nous la place. Il est temps que les femmes dirigent Westeros. Sortez vite avant que je vous plaigne par les couilles et que je vous fasse sortir de ce donjon. Vous verrez, il sera plus rouge que d'habitude parce que ce sera votre sang que je répandrai sur ce sol. Dégagez d'ici, bande de tas de merde. Ah. C'est bon, j'en ai collé, ok? C'était une blague. Je crois que le loup a préféré en finir face à ma dominance. Voilà, vous prêtez allégeance sur cette colonne. Relevez-vous, voyons. Moi, j'ai prêté allégeance à votre fesse, là. Voyons, on arrête ce pique-napé, là, mais réagissez, bon sang, mais... Mais, wow! Vous êtes le meilleur chevalier de Westeros. Espèce de putain, tu es à moitié dénudé. Et tu prends ma place. Aïe, mais il est toujours là, me mordre les fesses, lui, mais... À l'aide, moi je demande à l'aide. Je demande à l'aide à la colonne. Je demande de l'aide à la colonne. Ils essayent de... Vas-y, vas-y. Tiens. N'hésite pas, hein, t'as fait ton plaisir. Tiens. J'ai jamais eu autant dans ma broc. Chroma, fais-le. Et avant de le ramasser, tu me laisses le ramasser, s'il te plaît. C'est pour la vidéo, ok? Prends le signe. Oh, 13 millions. 13 millions. 13 millions. Allez, à plus les gars, je suis désolé les gars, je vous avais prévenu. Je suis vraiment désolé les gars. Voilà, tu fais ça. Voilà, tu fais ça. Je suis vraiment désolé les gars. Au suivant. Moi, c'est ça. Tu auras allégeance. Ta gueule, à genoux, salope, tu te prosternes. Les sept et les anciens. À genoux. D'accord, moi c'est ça, jure allégeance à vous, héritière de Bif, devant les nouveaux et les anciens dieux, c'est jusqu'à bien. Ma mort. C'est bien, chienne, relève-toi. Pétasse. Ils arrivent, préparez-vous. Attendez, ah, attendez, il peut encore débloquer, mais qu'est-ce qu'il fait? Faites pas ça, ils vont se retrouver bloqués. C'est pas très respectueux. Là derrière. 3, dégage. 2, 1. Nous avons gagné. C'est parfait. C'est... Je pense, mais restez vigilante, on sait jamais. Nous n'avons pas de perte, je crois. Qui c'est lui? Attention, reculez, reculez, reculez. C'est un terroriste, il veut nous faire exploser. Aïe 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 aïe, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. J'ai un cadeau pour le roi. Mais ramassez votre putain de chèvre, s'il vous plaît. Mais je vous l'offre, messire. Ça va partir en bain de sang, monsieur. Ça sert à rien que ça parte en bain de sang. Mais là, c'est une oui, moi aussi, je peux sortir mon épée, vous savez. Moi, je suis sympathique. Il faut qu'il range son épée, là. Rangez votre épée. Vous pouvez la manger, vous pouvez la manger avec des... De la peau, vous pouvez faire des tapis, je sais pas, faites ce que vous voulez. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Vous voulez quoi là? Vous tous contre moi là, je vous tue tous. Bon, allez, dégagez maintenant. Voyons donc. Il est fou, lui. Rendez-vous tranquille. Dégage! M'adresse pas, moi, t'es... Allez, viens te battre, pouilleux! Sale pouilleux! Après, je peux aider si vous voulez, mais. Ouais, vas-y, vous bien. Ah! Ils sont là, ils sont là! Attention! Partez, allez en haut, allez en haut, allez en haut! La guitare elle montait vite. Heureusement que vous êtes là, mon roi. Grand maître, je vais vous prendre une potion également, une potion bleue. Merci. Merci, grand maître. Vous savez si mon mari s'en est sorti?
Je ne sais pas du tout, il n'était pas à Castrel Rock. Par contre, moi, m'a chargé d'aller recruter des hommes. Mais comprenez que là-bas, il n'y a que la mort qui vous attend. Si vous y retournez, lieutenant, c'est quasiment sûr que vous n'y reviendrez pas vivant. Mais restez ici, voyons, j'ai besoin de vous. Lieutenant, vous êtes le seul officier présent ici de la famille Lannister. Ah, ma tante, vous êtes en vie. J'ai reçu votre missive. Vous êtes à deux doigts d'être dévoré par ces choses quand le roi est venu avec son dragon me sauver la vie. Oui, il m'a sauvé aussi. Il criait, il voulait s'en sortir, il voulait que j'ouvre les portes, il voulait que j'ouvre la haine. Pour réaller tomber. Ils ont forcé les grilles, ils sont là. Ça recommence. Ils sont nombreux. Refermez les grilles. Attendez, ils n'y arriveront jamais. Fermez vite. Fermez les grilles, maintenant. J'ai vécu 3 veuvages, ma chérie, donc vous inquiétez pas, on en survit. Que se passe-t-il? Courez, ils sont rentrés. Au secours, lieutenant. À l'intérieur, vite, courez. C'est trop dangereux. Réfugiez-moi à l'intérieur, sautez. Lieutenant. C'est horrible. Sautez sur moi, sautez sur moi. Courez. Courez. Ils arrivent. Ah! C'est qui? Va-t'en! Allez-y, rentrez! Les plus belles créatures de Westeros se trouvent ici! N'hésitez pas! Dites-moi, celle-ci est disponible? Bien sûr que je suis disponible. Ah, en plus, elle parle! C'est mieux! Prenez! L'autre, elle était timide, elle ne parlait pas beaucoup. Ouf! ne riez pas! Ah, je dois dire que c'était beaucoup plus dynamique que l'autre, hein. Ouf. Ah, t'aimes ça, hein? Oh, j'aime ça. Voilà, parfait. Et le Val et le Nord a toujours combattu ensemble. Nous sommes les plus vieux alliés de tout Westeros. Tous les membres du conseil restreint appartiennent à ces fichus Lannister blonds. Chaque chose est un cycle et chaque chose est un éternel recommencement. Les terres de l'Ouest ainsi que les Lannister ont régné à Westeros. Mais je pense que ce règne touche à sa fin. Car des esprits comme nous s'élèvent. Qu'en pensez-vous, Seigneur? Eh bien, comme vous le dites, Monseigneur, c'est un cycle qui se répète. Et vous êtes l'un des premiers concernés à savoir que votre famille a récemment eu des problèmes avec les Lannister. Bon nombre d'entre vous y ont vu la mort, d'ailleurs. Et ce serait regrettable de voir à nouveau le Val affronter les Lannister. Du coup, vous me demandez de prendre position dans ce conflit, qui n'est pas le mien. Sachez que le Nord peut vous soutenir. Peut vous soutenir en raison de nos alliances et du fait que il y a eu plusieurs mariages entre nos deux maisons, mais il va falloir pour nous de meilleures raisons pour qu'on puisse s'impliquer amplement à votre conflit. Un mariage entre nos deux maisons pour renforcer tout cela. Je suis à la recherche d'une épouse. Célibataire, vous savez. Et nous avons de très belles femmes ici à vous proposer. La fameuse Martine Lacatin, c'est bien elle dont vous me parlez, Seigneur Suzerain. Bien, commandant, préparez-vous, on va suivre le Val jusqu'à Port-Réal. Voyons d'abord de quoi vous êtes accusé, mon lord. Bien, soldat, vous savez, je me bats à l'Aldebarde, et vous, seigneur? Je préfère l'épée. L'épée? L'épée, le prolongement du bras, et l'épée, ce qu'il y a de plus raffiné. Mais l'épée, sachez, est peut-être une des armes les plus classiques, mais n'est pas l'arme la plus puissante en cas de combat. Je pense qu'une bonne Aldebarde est bien plus puissante que n'importe quelle arme. Vous savez, j'ai acquis une nouvelle fortune grâce à mon nouveau commerce et j'estime justement que mes comptes seront remplis à plus de 250 000 dragons d'or d'ici ce soir, Seigneur Suzerain. Je suis très curieux de vos plantes. D'ailleurs, je vous remercie de cette offrande. On les goûtera tout à l'heure si vous souhaitez. On en prendra un peu, je suis devenu très, très habitué et j'en prends 4 à 5 fois par jour maintenant. Cela me permet de tenir le coup. J'espère que nous aurons ce plaisir. Tant de calomnies en une journée, je ne pensais pas que cela était possible. Je n'ai jamais vu autant de calomnies apparaître. Concernant les Lannister, sachez que ma famille n'a jamais été en bon terme avec eux, et il me suffit d'une bonne raison pour envoyer mes armées là-bas. Commandant, composez-moi une ballade avec des rimes en... Oh. Le Lord Jon Snow est impénétrable comme l'eau. Le Lord Jon Snow est également très beau. Et voyez, commandant, vous me ridiculisez toujours en jour, commandant. C'était très mauvais. Commandant, vous dormirez
Ce soir, vous allez dormir sur la porte de la lune. Vous dormirez. Si je suis somnambule et que je me réveille et que j'actionne le lever sans exprès, ce sera de votre faute. En tant que fidèle vassaux, nous devons intervenir. Le roi n'est pas là et j'ai peur que la mort ne soit pas capable de s'en occuper. Le meilleur Tyrion a des envies bien trop belliqueuses. Et en tant que fidèle de la couronne, on doit s'en charger. Sachez que si il existe dans ce royaume des traîtres et des rebelles qui complotent dans le dos de sa majesté, le Nord sera déployé pour se saisir de ces traîtres et les mettre à genoux devant la justice. Et à l'encontre des terres de l'Ouest, est-ce que nos avis se rejoignent ? Je suis contre les traîtres. Alors oui, aujourd'hui, vous êtes contre le Nord vous rejoint. Quand un pacte doit être signé, il doit être signé par le sang. Pour le roi. Attendez, pas pour le roi forcément, pour la coalition du Val. Qu'est-ce que vous racontez ? Tirez sur mon doigt. Contre l'Ouest. Contre l'Ouest, ça c'est mieux trouvé. Très bien, je vais directement envoyer une missive générale pour prévenir l'Ouest que nous marchons. Non. Qui a peur des traîtres ici ? Si vous ratez cette balade, vous payerez des gens pour vous assassiner, évidemment, comment ? Ah, très bonne idée, le mur, Lord Findus. Ils ont besoin de recrues. Ah oui, le mur, au pire, le mur. Pour commencer, on va mettre le... On va mettre justement... Si, voici vous, sergent. Vous allez en reprendre, je sais que vous adorez ça. On va mettre les fines herbes au-dessus du feu. Les fines herbes. Bon, passons. Vous n'avez pas compris la référence. Tenez, vous allez prendre chacun, vous l'avalez surtout pas. Chacun votre tour, allez-y, faut vous mettiez sous la langue. C'est bon, c'est sous la langue. Avalez tous maintenant. Ah non, j'ai oublié de vous expliquer ce qui allait vous arriver. Ça, j'aurais dû vous expliquer ça avant que vous avaliez. Vous allez vous sentir extrêmement relaxé, même un peu trop relaxé. Et vous avez aussi, pour certains, quelques trous de... Qu'est-ce que j'étais en train de raconter ? Mais pourquoi vous nous avez drogués ? Je vous ai déjà dit... Il fait chaud, soudainement. Vous étiez fortement séduisant dans cette fourrure. Oh, oui, oh bel homme. Nous nous battons pour tout ce qui nous est cher. Val. Nord. Val. Nord. Val. Ok, Val. Est-ce que vous êtes toujours sous l'influence de ces plantes, messieurs ? Avant toute chose, je voudrais vous présenter, pour l'occasion, le danseur qui se trouve derrière moi. Oh, enchanté. Attention, je suis le danseur, on m'a mandaté par Corbeau des Terres du Nord, histoire de venir vous faire une démonstration. Eh bien, dès que vous êtes prêts, messieurs, allez-y. Bien, j'échauffe ma voix pendant que mon frère accorde sa guitare. C'est l'histoire d'un gnome, beau et musclé. Avec un verre à la main, il a forniqué toutes les prostituées. La légende raconte qu'il aurait même forniqué ta mère sans payer. C'est un nain, mais vous ne me prenez pas, sa queue est très bien levée. Dans les livres, on dit même qu'il a gagné autant de batailles que de femmes qu'il a baisées. Il est d'une intelligence plus grande que celle d'un sorcier. Et la bourse dans son slip est aussi grande que celle de chez son banquier. Voilà, monseigneur. Maintenant, tu vas retourner à Winterfell, d'accord ? Et dès que je te siffle, tu reviens nous chercher. Vous êtes vraiment une vraie force de la nature, Lord Brandmar. Vous êtes un exemple. J'aurais aimé que... Que vous soyez là... Vous le pensez vraiment, ce que vous dites ? Depuis votre arrivée à Winterfell, Aya, je n'ai de cesse de vous regarder, mais pas dans le sens amical du terme, vous voyez. À vrai dire, quand je me retrouve au lit avec ma femme, notamment en ce moment... J'ai de cesse de penser à vous. Vous hantez mon esprit de chaque nuit, chaque jour, à chaque fois que je vous vois. Bien sûr, positivement et... Excusez-moi, et votre femme alors dans tout ça ? J'ai envie de vous ! Vous êtes sûr ? Comme ça, là, à la sauvage ? Oui. Oui, voilà tout à... voilà, comme... Ah, oh, Dieu, ah mes vêtements ! Ah, Lord Brandmar. Tournez-vous! Ah oui! Ah, ça vient!
Notre chatte est si serrée. Ah, ça fait bien longtemps que je n'ai pas. Ah, votre âge. Je vous ai rempli la chatte. Ah, vous n'avez rien perdu.